L'anecdote d'aujourd'hui est vraiment un geste inconscient. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas afin de ne rien manquer des anecdotes et des chroniques que je peux publier. Et je vous ai également mis un lien si vous désirez apprendre comment faire pour vous respecter, vous faire respecter. Cette anecdote-là, c'est vraiment un geste inconscient, carrément. J'ai une cliente qui rentre dans le magasin, encore à l'époque du magasin, lorsque j'avais ma boutique érotique. Et la cliente veut faire des essayages de lingerie. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Garde leurs sous-vêtements, tout est beau. Elle essaie un vêtement qui... C'est rare que les clientes ou les clients vont sortir de la cabine d'essayage. T'sais, ils vont aller essayer, ils vont voir si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Des fois, ils vont te demander ton avis, mais en général, ça s'arrête là, puis c'est bon. Mais là, cette personne-là, moi, j'avais des grands miroirs à l'extérieur, teintés, qui étaient très beaux. Vu qu'il n'y avait pas personne dans le magasin, fait qu'elle sort, puis elle parade, elle se regarde, OK, tout est beau, puis bon, elle essaie un autre morceau. Et là, elle me dit, « Oh, j'ai oublié, j'ai un téléphone en face, est-ce que je peux emprunter ton téléphone? » Ben oui, pas de problème, tu peux emprunter mon téléphone. Et moi, dans ma tête, elle va l'utiliser quand elle va se rechanger. Elle, j'ai dit oui, la première chose qu'elle fait, à part, elle s'en va, mais elle est en déshabillée, là, et le haut est complètement transparent, là, fait qu'on y voit les seins complètement, là. À quelque part, elle s'en va au comptoir, mais il y a une bonne cinquantaine de pieds là, entre les salles d'essayage et le téléphone. Fait qu'elle va au comptoir pour signaler un téléphone. Puis moi, j'étais un peu abasourdie sur le coup. Tu sais, je suis comme, où est-ce qu'elle s'en va? Elle s'en va-tu téléphoner là? Je m'attends pas à ça. Puis comme elle décroche le combiné puis qu'elle commence à signaler, il y a un client qui rentre. Mais là, le client, il fait, puis les clients le savent, moi j'avais un code vestimentaire, c'est du respect, il n'y a pas rien de choquant ou de pornographique comme tel dans ma boutique. Et fait que le client est surpris, fait que là je fais « OK, wow, là on va replacer les choses à sa place parce qu'il y a confusion pour que le client entende bien qu'est-ce qui se passe. » Je vais voir la fille, j'ai dit « Là, tu raccroches le téléphone. » Tu vas te rechanger dans la salle d'essayage. Tu m'as demandé de passer un appel. Moi, je pensais que tu te rechangerais avant de venir téléphoner. Là, c'est comme si c'était toi qui travaillais ici, là. Puis j'ai dit, ça donne une toute autre image de la boutique. Le client, il part à rire. Il trouve ça drôle, puis il fait, oui, je suis restée pas mal surpris. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. J'ai dit, t'es pas mal surpris. Fait qu'elle a fait, oh mon Dieu. Elle a même pas réalisé qu'elle avait encore son déshabillé sur le dos, qui était tout nu, à quelque part, là, tu sais. Fait que là, oh, elle se cache. À court, elle s'en va dans la salle d'essayage, puis elle s'en va se rechanger. Fait que c'était vraiment un geste inconscient. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager également. Ça sert à faire rire, en fait. Hein? C'est des bonnes anecdotes, mais c'est aussi une façon de voir et de comprendre à se faire respecter. Parce que dans cette circonstance, ne pas m'être fait respecter, ouf, ça aurait changé beaucoup l'approche et de la boutique et je dirais le cœur, hein, l'âme de la boutique. Puis c'était pas l'image que moi je voulais projeter. Puis c'était encore là complètement inconscient. Fait que voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et de visiter le lien que je vous ai mis en attaché pour les curieux qui voudraient savoir comment apprendre à se faire respecter. Sur ce, à la prochaine!